Bonjour, c'est de nouveau Pierre Wazem, dessinateur de bande dessinée, en résidence dans ce festival Fumetto, digital, hybride, numérique, comme vous voulez. Mais moi, je suis vraiment à Lucerne, pour de vrai, en chair et en os. On va de nouveau dessiner aujourd'hui, cet après-midi, pendant 1 heure. Et puis, vous pouvez me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Ça me fera croire qu'il y a quelqu'un dans ce festival, parce que des fois, la présence physique manque un peu, les contacts. Et voilà, on se réjouit de la fin de cette aventure du corona. Aujourd'hui, je vais faire ces espèces de strips de bande dessinée. Un strip, donc je répète, c'est 3 cases. Ou plus. Moi, j'aime bien le format 3 cases. Introduction, une petite chose au milieu et une fin, si possible, rigolote. Et j'ai fait toujours ça, je fais toujours cet exercice quand je suis dans les festivals. J'en ai fait à Bédéfil, j'en ai fait à Angoulême, j'en ai fait à Delémont, etc., etc. Et à la Mostra de Venise, qui était aussi en moitié digitale. Et ce qui était intéressant ici, c'était d'en faire, malgré tout, malgré le fait que c'était un festival différent. Voilà. Quand je cherche des idées, je note des choses. Déjà, je n'ai pas encore trouvé le titre. Le titre des strips. De strip Fumetto. Hybride. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez les écrire. Le stribride. Non, trop compliqué. Quand je cherche des choses, en général, je fais des dessins, souvent d'ambiance. Et là, je vais me mettre en situation à Lucerne. Ça me permet de réfléchir tout en dessinant. Donc, c'est toujours le même personnage hein, qui est censé me représenter. Et en fait, je réfléchis. Je me mets une écharpe parce qu'il fait assez froid. Je réfléchis en dessinant. Je crois que je vais faire le jeu des différences. C'est-à-dire, les 7 différences, on va faire en fait les différences entre un festival entre guillemets normal et le festival digital hybride. C'est déjà une piste. C'est déjà une piste. Alors évidemment, Lucerne, il y a un côté carte postale. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Il y a surtout ces façades peintes que je vais évidemment plutôt simplifier. Mais faire ce genre de petits dessins, ça m'aide à déjà à trouver un peu les ambiances.
que je mettrai après dans le strip. Alors oui, c'est assez vide. Il manque les turbulents dessinateurs qui hurlent dans la rue. Il y a toujours des petits passages ronds. Et des pavés. Avec du Tipex. Pas si on voit. Une petite, petite ambiance lucernoise pour me mettre dans le bain. Évidemment, hyper stylisé. C'est pas du croquis d'observation, c'est du croquis comment dire, de tête, d'ambiance. C'est évidemment pas exact, mais ça donne une impression. Vais partir sur cette idée de strip des sept différences. Bon, il y en aura trois là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a tellement de différences qu'il va falloir les trier, hein? Fait un petit croquis avant. Il y a par exemple dans les séances de dédicace, les gens qui demandent des choses étranges.
Non.
Un classique de festival, le bar. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais première idée du strip festival hybride. Avec quelques différences et une chose qui ne change pas. On va essayer d'en faire un autre. Je passe toujours par la case de faire un petit dessin pour petit dessin pour réfléchir. Je crois qu'on ne peut pas échapper au fameux pont.
pouvait pas s'empêcher quand même de dessiner ça, non? Je crois que c'est une obligation lucernoise pour les dessinateurs. Je suis sûr qu'il est tout faux, mais de nouveau, c'est pas un croquis d'observation, c'est un croquis d'ambiance. Des fois, ils sont plus justes que des croquis de faits sur le vif ou sur place, je veux dire. C'est un peu pas très respectueux du. Très. Alors. Des questions de Charlie. Au connard. C'est un joli nom. Hello, je reconnais ce pont. Est-ce que tu apprécies Lucerne? J'espère que tu as reconnu ce pont, parce que je me suis quand même donné un peu de la peine. Et oui, j'apprécie Bruxelles. Bruxelles qui est encore plus calme que d'habitude, ce qui est quand même assez prodigieux. Donc c'est très très calme. Mais c'est toujours la même ville, la même très belle ville, la même très belle petite ville. On va essayer un autre strip. Sur la Digital Residence et le Hybrid Festival. Je crois que je vais dessiner en réfléchissant. Je fais souvent ça. Et des fois, ça fonctionne. L'idée viendra sur le moment, ou alors pas du tout. Mais autant commencer.
Alors attention. J'ai une idée qui va être difficile à dessiner. Merci à Anastasia pour son gentil mot. Je devrais peut-être m'y reprendre deux fois. On verra. Voilà, dans l'idée où il est devenu tout pixelisé, à force d'être resté en digital résidence, comme il est là. En très basse résolution. Voilà pour le deuxième strip. On reste assez simple, hein. Les idées viennent, c'est du pur hasard. Donc, des fois elles sont formidables, des fois il faut les travailler un peu. Donc là, si je devais publier ces choses, je les travaillerais encore un petit peu.
les idées viennent souvent de noter les choses. Et tout, je pense, pratiquement tous les dessinateurs de bande dessinée, tous les scénaristes, tous les écrivains, ont un petit cahier avec eux, dans lequel on note sans arrêt ce qui nous passe par la tête. Souvent, quand je relis ce qui m'est passé par la tête, je n'ai plus aucune idée de ce que ça veut dire. Donc c'est tout à fait inutile, mais de temps en temps, dedans, il y a des petites choses à utiliser. Donc voilà, c'est un outil. Ça peut être, là par exemple, il y a du dessin. Ça peut être très dessiné, il y a des périodes où c'est très écrit, ça dépend de l'état d'esprit et de l'humeur du moment. J'ai des carnets de notes comme ça, de toutes les formes, de toutes les dimensions. Il y en a qui sont entièrement dessinés. Là, par exemple, il y a un graphique qui ne veut absolument plus rien dire pour moi, qui devait être extrêmement essentiel, je pense, à une époque, mais je ne me souviens absolument pas de ce que ça voulait dire. C'est assez rigolo, d'ailleurs, de les retrouver. J'ai repris celui-ci parce que j'ai remarqué qu'il restait quelques pages libres. Et donc, je me suis dit, au lieu d'en prendre un autre, je vais finir celui-là. C'est une sorte de voyage dans le temps. C'est comme ça qu'on fait la plupart du temps. C'est qu'on trouve nos idées en fouillant dans les notes, en lisant, en regardant des choses, en écoutant la radio, et évidemment aussi. Mais souvent avec ces petites notes. Je vais de nouveau faire un petit dessin d'ambiance parce que c'est un peu le rythme du jour. Avec toujours la mise en scène, je me dessine. C'est devenu une sorte de presque un logo, en fait, plus qu'une caricature ou un portrait. C'est devenu presque un personnage fictif. Alors, Lotte vient de me donner un très bon titre pour mes digital strips. Ce serait Digital Fumetto with Real Artists in Hybrid Residence. Voilà qui ne complique pas les choses. C'est très bien. Merci à Lotte. Je crois que je vais utiliser ça. C'est vraiment du dessin spontané, je ne sais pas du tout où je veux aller, ce que je veux faire. Donc c'est vraiment, c'est une sorte de zen, ça me détend. Je divague, je laisse aller mon pinceau et c'est plutôt agréable quand on cherche des idées et quand on laisse aller notre cerveau un peu n'importe où.
mais toujours évidemment avec l'idée de rester à Lucerne. Donc j'essaie de faire là une sorte de bord du lac, d'après ce que je me souviens. Voilà un autre petit tableau. Alors, une proposition plus simple de Fumetto, Fumetto Comic Festival Lucerne, voilà qui est plutôt précis et clair, n'est-ce pas? Comme titre, c'est très bien. Voilà, si je ne m'abuse, je crois que c'était le printemps hier, mais je suis pas sûr. On va alterner encore avec une petite recherche de trois cases, de strips. Alors de nouveau, je ne sais pas du tout ce que je veux faire ni raconter. J'ai aucune idée.
Ah, oui, il y avait le. Oui, il y a l'idée des masques qui était assez drôle. Peut faire une suite. On reprend toujours cette idée de artist in residence, qui sera un peu le fil du cet après-midi. Ce que vous ne voyez pas sur l'image, c'est qu'il y a un immense lustre exactement au-dessus de ma tête, qui doit faire environ 800 kilos, bas mot.
Et voilà, évidemment. Avec un petit jeu de mots en français avec le mot partir. Ah, alors, Charlie Ogana me prévient qu'il peut voir cette lampe parce que je dessine dans la réflexion, j'ai pas très bien compris. Et en effet, comme il dit très bien, je ne fais pas des dessins prémonitoires. Du moins, j'espère pas. Je crois que je vais vérifier après ce dessin si ce lustre est bien accroché. Voilà. Il nous reste très peu de temps pour faire pratiquement plus rien. Bah, je vais repasser les dessins que j'ai faits aujourd'hui, comme ça. Dans 2 minutes. Et le dernier qui est, en effet, qui porte bien son nom. Merci à tous ceux qui étaient là avec moi. Au revoir et puis revenez me dire bonjour demain à la même heure et au même endroit, évidemment. Au revoir.